C'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur la suite de nos aventures sur Spider-Man Miles Morales. On est l'épisode 3, il me semble. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et, eh bien, bah, on se retrouve pour faire la suite. Alors, apparemment, il y a quelque chose ici. Donc, on va aller faire ça tout de suite. Hein. Miles, ah. On se voit toujours aujourd'hui? T'as jamais répondu à mon message? Oh ouais, désolé, je me suis un peu laissé déborder. Mais je suis libre maintenant. Où ça? Ok, à l'angle de la 78e et de West End. 78e? Près du Forum des Sciences? Pourquoi là-bas? Tu verras. Sois à l'heure. Donc, moi ce que je vous propose... West End. On verra bien ce qu'elle a voulu dire. Faut pas que je traîne. Ouais. Donc, moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le cache et qu'on fasse la mission. Hein. Donc, apparemment c'est là-bas. Donc, allons-y. Pas okay. La même ambiance qu'à Brooklyn. Hein. Oh, c'est quoi ça? Bon, ok. Hein. Y a rien d'autre. Et on va aller faire le crime en même temps là-bas. J'espère que. Pas que cette vente d'armes soit parfaitement légale. J'ai arrêté la vente à domicile. J'espère que ça vous plaît les épisodes, les amis. Vous pourriez pas vendre des trucs cool? Je sais pas moi, des badges? Des pizzas? Oh, ok. Voilà. Soyez plus discret la prochaine fois. Sinon, allez go. Allons-y. Allons faire cette mission et on est parti pour la suite. Ah ouais, c'est loin en vrai. Là. Ah voilà, allons-y, prends. Ça prend, voilà. Je manque pas d'idée pour utiliser ça. Hé, hey, on a un stand de charité qui se fait attaquer pas loin de toi. Je quitterai pas mon stand. Sérieux? Ça se fait pas de traquer les stands de charité. Et encore moins pendant les fêtes. Bon, hé, hey, les gars, hein, tant qu'à faire, hein. Esquive ça! À nous tous, on le va!
Oh là là. Tu l'auras bien cherché. Spider-Man sauve l'esprit de Noël. Ah, quel gosse. Merci beaucoup. Y'a pas de quoi. Vous avez encore besoin d'aide, passez. Ouais, on a pas le temps. Il y a un cache ici. Ok. On va le faire vite fait. Il est là. Salut les amis fans. Ça vous arrive de faire une fixette sur quelque chose? Comme une scène de film, ou un gros titre que vous avez lu dans le métro, ou le récit d'un rencard désastreux par un de vos amis? Et ben moi, je fais une fixette sur l'Underground. Qu'est-ce que veulent-ils? C'est super frustrant parce que ce sont des questions simples, mais auxquelles personne n'arrive à répondre. Vol, agresse, kidnappe, attendez, y en a un autre là. Les gens s'en prennent aussi bien aux petits commerçants qu'au crime organisé. Ils ont de la technologie de pointe et ils en veulent à tout le monde. Je vais continuer à mener l'enquête. Alors, si vous avez des infos, partagez-les. En attendant la prochaine fois, n'oubliez pas, ne videz jamais le marc de café dans votre évier si vous voulez pas le boucher. Allez, à plus. C'est pas là. Il est où? What? Ah, il est là. Tant qu'à faire, on était à côté. Je sais déjà ce que je vais en faire. Regardez-moi ça, comment c'est beau! Go. Hey, le mollasson! Là-haut! L'escalier de secours est plus qu'il était! Fais gaffe en montant! T'inquiète, je suis. Non, faut pas le dire. Je voulais me voir ici. J'ai failli partir, t'as mis des plombes. Viens m'aider, c'est coincé. La capsule a connu des jours meilleurs. Est-ce que tu te souviens du code? Ouais, c'est... Attends, c'est... Sérieux? Quand est-ce que vous allez retenir ce code? Je serai pas toujours là pour vous le donner. On se rappellera, on se rappellera. On se rappellera, ouais, ouais. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez l'intention de mettre là-dedans? On peut rien te dire. C'est entre Miles et moi. D'accord, c'est ça. Gardez le secret, t'es plus sûr. Eric, tu penses que tu vas accepter ce boulot chez Roxxon? Pourquoi? Tu veux le prendre à ma place? Peut-être. J'attends de voir l'offre. Je vois, j'ai de la concurrence. Eh ben, c'est une bonne offre. Ils veulent que je dirige leur groupe énergie propre. Et vous me connaissez. L'énergie propre, ça sauve le monde. J'adore mon fan club de nerds. Oh, quand on parle du loup, c'est Roxxon. Je reviens. T'as bien retenu le code, hein? La suite de Fibonacci. Cool. Notre prix? Quand même, notre convertisseur d'énergie était épique. Grave. Tu crois qu'il est toujours exposé au Forum des Sciences? J'espère. Waouh. Regarde-nous. Les têtes de blaireau. Eric a l'air trop cool à côté. Ouais. Il y a un problème avec lui? Vous vous êtes disputé? Non. Pas du tout. C'est bon, ça va. Pourquoi on s'est perdu de vue? Merde, je suis en retard. Je dois y aller. Hey, j'ai comme l'impression qu'on se cache tous les deux des choses. La prochaine fois qu'on se voit, on se dit tout. Ok? Ouais. Peut-être. Si t'es à l'heure. Bon, bah, plus tard, Nabo.
je te signale que je suis plus grand que toi. Pas là-dedans. À la fin du collège, j'étais mitigé. Finn est allé à Midtown High, et moi à Brooklyn Vision. Eh ben, ça m'a fait plaisir de voir Finn. Je devrais retrouver les autres capsules qu'on avait cachées. Mais ça peut attendre. Je dois rentrer pour le meeting de maman. Ok. C'est le moment d'utiliser mon passé illimité. Téléphone, check. Carte de métro, check. T'as pris la clé ? C'est bon, je l'ai. Dépêche, on va être en retard. Et toi, je vais te mettre plein de neige dans ton costume. Au fait, tu le portes ton costume ? Ouais, c'est juste au cas où. Mais tout ira bien. Ok, bon. Ça, je me rappelle, c'est ce qu'on nous avait fait voir pendant la présentation, enfin, pendant une conférence de PlayStation. Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Ça irait trop bien sur le dernier build que j'ai fait. Ok. Je devrais me remettre à faire du son. Ouais, ça fait longtemps. Sympa, hein. Sympa. Dernièrement, ça commence très bien. Tu penses de Rio Morales ? Tu vas voter pour elle ? J'ai encore du mal à imaginer ma mère en figure politique. Je l'ai toujours connue comme enseignante. T'as mis un truc. C'est les mêmes compétences, non ? Regrouper des gens, les éduquer, faire en sorte qu'ils jettent pas des trucs à la tronche. Vous acceptez les spider peluches ? Ah oui ? Les enfants sont comme des fous avec ça. Si vous en avez une en assez bon état, on vous en débarrasse sans problème. Ça marche. Je vais voir ce que je trouve. Ok, donc si on trouve une... Imaginons, on trouve une peluche. Oh. Ça rend vachement bien. De rien. Oh. Désolé. C'est pour ça qu'on peut trouver une. Un langage des signes avec moi le semestre prochain. Déjà que je maîtrise un peu près l'espagnol. Ah, c'est là. Desde cuando. Je peux pas les prendre. Ouais, en vrai, je pense pas qu'on puisse ça. Salut, vous avez une carte d'électeur ? J'ai pas encore l'âge. Mais je soutiens votre candidate. C'est ma mère. Alors, c'est toi, Miles ? Ça fait des années qu'on n'a pas eu une candidate à la municipalité qui soulève autant les foules. Tu dois être fier. Ça oui. À la prochaine. Cool. C'est tout bon. Votre vote prendra de New York plus beau. Même si je vote pas pour okay. Le tout le monde est Léo et un café comme le tien. Oh, chérie. Tu t'inquiètes trop. Gloria, salut. Salut, Miles. Voici Steffi, ma compagne. Une nouvelle bénévole au FIST. Ravi de te rencontrer. Je suis sûre qu'on se recroisera au refuge. Puisqu'on en parle... Aucune heure pour toi jusqu'à la fin des vacances. Si on n'a pas fermé d'ici là. Comment ça ? Ah, t'inquiète pas pour ça. Profite du discours de ta mère. Je te rappelle à la rentrée. Ça marche. Il est allez, bisous. Tu veux aller au midi ? Ouais. Ok, là on a des flics. On a des trucs à faire là, je pense pas. Ouais, ok. On prend un hot dog avant d'aller voir New York. Oh, c'est notre oncle. Oncle Aaron. Je m'attendais pas à te voir ici. Je vais filer avant que ta mère me voie. C'est qui lui ? Mon ami Ganky. Il me file un coup de main pour mon projet d'araignée. Tu prends soin de mon neveu, d'accord ? J'essaye, mais il me donne du fil à retordre. J'entends tout ce que vous dites, hein. Amuse-toi bien au meeting de ta mère. Lol. Allez. Hé, tu lui as dit ? Il a compris tout ça. Je t'expliquerai quand on sera rentré.
certains tas de leurs armes. Tu crois qu'ils préparent un nouveau coup? Ils réaliseront peut-être que ça sert à rien de lutter contre Spider-Man et ils rentreront chez eux. Si seulement. Bonne chance, Madame Morales. Merci, Tim. T'as vu? Roxxon a vraiment installé une surveillance permanente partout, hein? Ouais, c'est clair. Buenas noches, vecinos. Vous vous souvenez de ce que nous avons perdu? Quand les bulldozers ont rasé ce quartier. Hé, hey, est-ce que ça va? Ouais, c'est juste que la dernière fois qu'on a fait ça, mon père... Où l'on vendait les meilleures crèmes glacées de toute la ville. La garderie Junipero. T'inquiète pas, mon pote. Ta mère a plein de gens pour la protéger. L'église Sainte-Thérèse. Et sa chorale. On pouvait entendre et puis... dans toute la rue. Maintenant, t'es Spider-Man. Aujourd'hui, Roxxon fait transiter son carburant expérimental dans toute la ville. Mais il refuse de nous parler des risques. Ce message s'adresse à Roxxon. L'homme pour qui vous travaillez, Simon Krieger, est un meurtrier. Cette plaza est un hommage à tous les crimes qu'il a commis. Je ne la laisserai pas ouvrir. L'Underground l'empêchera. On a un problème ici. On est là, reculez. Les gardes sont calmes. Tu peux pas t'enfuir. Sortez vos armes. Ils ont besoin de toi. Je vais aider ta mère. Je suis là. Vas-y. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous faites là, les gars, hein? Alors okay. Lui, il est pas là pour rigoler, non? Qu'est-ce que vous faites là, les gars, hein? Ok, bon. Ça dégage, hop. D'accord. Fallait pas nous attaquer, hein. Ok. Ah. On va voir si tu vas survivre à ça, toi. Wow, vache. Ok. Déjà arrêté dans le métro, tu peux le refaire. Miles, on a réussi à rentrer. Nadja emmène ta mère à l'hôpital. Quoi? Elle est blessée? Elle s'est fait mal au bras en droit. On prend soin d'elle, t'inquiète pas. Et toi, ça va avec l'Underground? Bah écoute, je me mute quoi. Je croyais qu'ils en avaient un peu. Calmez-vous les gars, par contre. Ok, je me connecte à tes analytiques. Si jamais je peux aider. Bonne idée. Mais tant pis. Merci d'avoir aidé ma mère. De rien, mon pote. Le plein de lumineux là, je vais participer. Bon, les gars, je me concentre un peu parce que là c'est chaud quand même. Ils sont beaucoup, mais alors beaucoup nombreux. Voilà. Mais bon. Ouais. Allez, ça dégage. Oh, stylé, hein, comment il se relance. Ok, go. Miles, gracias a Dios. Où es-tu? Je suis à la maison, mais je peux venir à l'hôpital. Non, tu restes à l'abri. Mais tu es blessé. Imagine qu'il t'arrive quelque chose pendant que je suis pas là. Hijo, c'est pas comme à l'hôtel de ville. Tout le monde va bien.
Reste à l'abri. Quelqu'un est ? Je reviens bientôt. Et je te laisserai signer mon plan. Ok, mamie. Allez, go. Vamos en casa. Te quiero. Saron, tout va bien ? Je vais bien. J'ai essayé de vous appeler, ta mère et toi. Vous êtes où, là ? Je me dirige vers le pont Pressway. Il y a eu une explosion. Ok. Mais si Roxxon se pointe, tu décampes, d'accord ? Ils vont chercher des coupables après ce qui s'est passé. Et ils vont pas se contenter de Tinkerer. Ok. Je ferai attention. Ok. Ça m'inquiète, cette explosion. Je dois faire vite. Ah ouais, mais... comment faire, là ? On dirait que Roxxon Plaza, c'était qu'un avant-goût. Ah, c'est la séquence qu'on avait vue pendant la conférence, ça. Oh, ça va être tough. On évite de se tirer dessus, ok ? C'est l'uniforme qu'on veut. Ignorez tout le reste. Débarrassez-vous de lui. Prenez tout ce que vous pouvez emporter. What? Mais genre... oh, je m'attendais pas que ce soit elle. Genre... il le rend instable. Couchez-vous! Occupe-le. Allez, ça bon, ça dégage, dégage, c'est énervé. Vous m'avez saoulé là, hein? Max, j'ai vu l'explosion. Est-ce que t'es blessé? Ouais, t'inquiète, ça va. Mais ouais, je suis... oh, choqué, les gars. Si seulement... si seulement j'avais fait le rapprochement. Oh, je suis tellement choqué. C'est pas ta faute. J'étais tellement content d'avoir que j'ai été distrait. Fais attention. Putain, mais... il y a plus du vent. Il l'a détruit. Le pont va s'effondrer. J'empêche ça. Non, non, non. Allez, dégage. Hop, voilà. Le jeu, voilà. Merci. Ils se sont coincés là-bas. Je dois m'occuper de ces types pour aller aider ces gens. Ils sont nombreux quand même, les mecs, hein. Allez, ça dégage. Non, si tu dégages, tu dégages. Oh, oh. Ah.
Ah, c'est stylé, les gars. Oh là là. Oh la vache! Merci. Y a pas de chargement, les amis, hein. On sera tout du coup, hein. Ces gens, ils sont bloqués. Ok. Je crois que j'ai une idée. Faut que je la trouve une plateforme. Ok. Oh non. Je peux régler ça. Oh la vache. C'est tellement stylé. Oh merde. Waouh, quelle séquence. C'est ma faute. Mes pouvoirs, je les fais exploser. Tout le monde va bien. Après l'explosion, le pont s'est mis à... On a le Spider-Man en visuel. On attend les ordres. Qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien. Bien reçu. Non ! Je suis pas votre ennemi. Qu'est-ce que vous faites ? Il nous a sauvés. Hé, hey, laissez-le tranquille. Je filme tout. On veut ça. Range-moi ce téléphone. Rangez ce téléphone. Tout de suite. Ne la touchez pas. Dégage. Dernier avertissement. Je les ai sauvés. Passé où ? Non. Il est tombé ? Ils l'ont poussé ? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle est chaud quand même là. Waouh ! Roxanne n'est pas censée être là pour nous ! Ils allaient me tirer dessus ! Ils m'ont même pas écouté. Est-ce que ça va ? Je sais pas. Aujourd'hui, je reçois Simon Krieger pour parler de la destruction du pont Braithwaite. Écoutez, je n'ai absolument rien contre le nouveau Spider-Man, mais ça... Comment ça s'appelle ? Bioélectricité. Tu veux un petit déj ? Elle nous a quand même coûté du matériel de Roxanne. Et elle a détruit un pont. N'importe quoi ! C'est pas ce qui s'est passé. C'est fine, Tinkerer. Elle a volé l'uniforme. On sait pas pourquoi. Et le pont a explosé à cause de moi. Non, c'est pas de ta faute. Je sors, je vais au QG de campagne. Vous voulez que je vous rapporte quelque chose ? Je peux prendre du dulce de coco ? Je croyais que t'arrêterais après hier. Pourquoi j'arrêterais ? J'ai dit que je me battrais pour ma maison. Et je le ferai. T'aurais pu... te faire tuer.
Notre famille n'abandonne pas. Tu le sais bien. Maman ? On veut bien du dulce de coco. Si t'es d'accord. Je suis d'accord. Quand j'ai eu mes pouvoirs, j'ai cru que je pourrais régler tous les problèmes. Que je pourrais faire tout ce que Spider-Man faisait. Chaque fois que tu dis Spider-Man, c'est pour parler de l'autre. C'est toi, Spider-Man. Tu peux y arriver. À ta façon. Les meilleurs arpies ont souvent un seul mot. Ok, ben écoutez, nouveau costume, les gars. Franchement, c'est le costume. Salut Pete. Le costume original de Spider-Man Miles Morales. Il est tellement classe. Ou de bagel décontaminé. Ce qui veut pas dire grand chose en contexte. Enfin bref, je regarde les vols. Je peux revenir dès demain soir. Non, surtout pas. Ça ira. J'ai trouvé qui étaient les responsables et je vais les arrêter. Je te le promets. Ok, je te fais confiance. Mais si t'as besoin d'aide, je saute dans le premier avion disponible. Sinon, on se revoit à mon retour dans 2 semaines, ok? Ouais, ok, merci. Et bon courage pour apprendre le simcarien. Oh, pourquoi ils ont 7 mots différents pour dire toilette? Ok. Les gars, on va... Nous... On va se mettre les points de compétence. Bon, on en a un. On adore. Bon, et ben, on a débloqué les points de compétence pour le camouflage. L'énergie de camouflage se... Eh ben, écoutez, vu que c'est nouveau, on le prend. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et, waouh, on a débloqué beaucoup de trucs ici. Ok, donc ça, c'est tout ce qui est collectable. Voilà. Donc... Moi j'aimerais bien juste voir un truc. Est-ce que c'est possible? Ça c'est quoi ça? Ok, donc on va mettre ça. Voilà. Gadget, on... Est-ce qu'on peut s'améliorer? Jetons... Ah il en faut 8. Ah ok. Jetons d'activité. Ok, ok. Bien, bah les amis, nous, on va s'arrêter là. N'oubliez pas d'aimer, de partager. Et on se retrouve, eh bien, très vite pour la suite de cette aventure. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, ciao tout le monde.